nous sous champ de masse, nous sous champ de masse devant monument Jean-Jacques Dessalines, garçon canson, pour nous bailler conférence pour la presse aujourd'hui. Son conférence de presse conjointe en plus l'organisation politique sociale qui n'a opposition à bailler ensemble tant pour Combit, tant pour Matrice, tant pour secteur démocratique et populaire, tant pour Challenger populaire, tant pour tout l'autre groupe qui implique nous conscients. C'est une conférence de presse n'a bailler ensemble devant monument Papa Dessalines. Message la clair, nous pas trahir bataille peuple là. De trahison, pas trahison, bataille peuple la pape campé dans route. Et projet de Saline de guerre pour pays ya, qui c'est un l'état qui capable défendre souveraineté pays ya, projet ça nous attaché à elle. Projet de Saline qui c'est intégrer masse populaire, masse rurale dans la vie économique pays d'Haïti, projet ça nous attaché à elle. Et c'est sens conférence de presse aujourd'hui. Jodi a nous dénoncé répression politique qu'a faite dans le pays d'Haïti. 28 août 2020, ils ont assassiné bâtonnier Montferrier d'Orval, avocat, professeur à l'université. Ils ont assassiné derrière Dokaï Jovenel Moïse. Jodi a nous constaté tout avocat dans le monde entier. Tout avocat en Haïti, yo mandé une commission d'enquête internationale indépendante. Jovenel Moïse pas veut faire commission d'enquête. Mais pour qui ça Jovenel Moïse pas veut faire commission d'enquête internationale indépendante? Qui ça Jovenel Moïse peut? Qui ça Jovenel Moïse a caché? Je dis à nous-mêmes qui dans opposition, hein, nous dit nous d'accord pour une commission d'enquête internationale indépendante. Dans le cas d'assassinat bâtonnier Montferrier d'Orval, pour la vérité blahi. L'homme dit pour la vérité blahi, en façon pour yon kembe, volé ou pour yon arrêté. Mais nous-mêmes, nous connaissons déjà. Nous connaissons, c'est dans le palais national, assassinat bâtonnier d'Orval sorti. Je dis à nous dénoncer avec force, avec énergie, assassinat Grégory Saint-Hilaire qui fait dans l'école normale. Son bagage extrêmement grave. Pour assassiner un étudiant en dans une faculté. Même sous période Duvalier, même les Duvalier était président qui t'a pas assassiné monde matin, midi, soir, ils ont pas massacré étudiant en dans l'école normale, ils ont pas assassiné étudiant en dans l'université. Son bagage extrêmement grave qui passait là et qui montrait nous qui qualité pouvoir nous gagner. Grégory Saint-Hilaire, c'est un monde qui grandit village de Dieu. Il a même origine sociale avec nous. Sûrement, il était dans le lycée, même gens avec nous. Sûrement, il était souffre grand pour l'école, même gens avec nous. Je me souviens moi-même, le lycée Toussaint, quand des fois, on descend la camionnette là, ou changer de comme camionnette là, en 5 comme 10 comme pour qu'il y ait un chauffeur à la manqué, juste pour qu'il y ait un comme là pour acheter un pâté. Bref, ce sont des jeunes garçons qui font un pire effort pour arriver là. Et ont assassiné dans l'école normale supérieure. Dans ce sens, ça, nous dénonçons ces actes-là. Et nous supportons toute bataille étudiante qui a fait pour justice capable de faire dans le cadre d'assassinat qui fait sous Grégory Saint-Hilaire. Bagaille, ça n'a pas de droit passer. Et c'est ça qui fait. Manifestation 17 octobre, là, n'a fait dans tout le pays. La fête pour demander justice pour Montferrier d'Orval. La fête pour nous demander commission d'enquête internationale dans le cas d'assassinat bâtonnier d'Orval. La fête pour nous demander justice pour Grégory Saint-Hilaire, qui a assassiné dans l'école normale. La fête pour nous demander justice pour tout le monde, qui a massacré, qui a assassiné dans le quartier populaire, tant pour Belle, tant pour La Saline, tant pour Cité Soleil. La fête pour nous dénoncer assassinat qui fait son chauffeur motocyclette, la fête pour nous dénoncer assassinat qui fait son militant, son citoyen, citoyenne qui te compte participer dans la mobilisation. Jodi, pendant que nous parlons là, professeur Josué Mérilien, professeur Gentimanis, il y a un mandat d'amener derrière vous. Parquet Port-au-Prince, mandé pour arrêter. Pour qui ça? Parce que vous participez dans la manifestation, vous dites, vous pas d'accord pour Jovenel continuer. Diriger pays d'Haïti. Pour qui ça? Parce que yo dit faut que procès Petro-Caribé fait. Pour qui ça? Parce que yo dit faut que procès massacre La Saline fait. Pour qui ça? Parce que yo dit faut qu'un professeur dans l'école yo, faut que professeur yo touché. Cela est inacceptable. Et je m'adresse personnellement au doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville,
j'ai une relation avec lui, je reconnais lui. Je demande à Maître Bernard Saint-Ville d'assumer ses responsabilités et que le plus vite possible, semaine ça même, pour que mandat d'amener ça yo, yo retire yo, parce que mandat d'amener ça yo, yo restreint liberté citoyen yo. Donc, heureusement, Mireille en lui-même, son autre histoire. Il est courageux, ce monsieur, il est là avec nous dans la conférence là, mais mandat d'amener ça yo, il restreint liberté citoyen yo, lui, son épée d'Amoclès sous tête yo, et son manœuvre pour yo capable de gagner le pouvoir. Nous dénonçons Jovenel Moïse qui pensait aujourd'hui, en 2020, avec répression politique, moun y a assassiné dans l'université, avocat y a touillé, moun y a touillé dans le quartier populaire, avec la justice, li pensait le capable de gagner le pouvoir. Et il faut comprendre l'enjeu de cette bataille. Mais yo fait 10 ans sur le pouvoir, yo crasé le pays. Yo mette gang dans tout le pays, yo volé tout le pays, yo crasé toute institution pays, yo crasé souveraineté pays. Je dis à seul gens pour yo rete sous pouvoir, pour yon pas paraître devant la justice, c'est violence pour yon utiliser, c'est moun pour yon touyer, et yon choisi la violence et la répression politique comme yon instrument de combat politique. Mais c'est bien compté, mal calculé. Et c'est ça que fait, mobilisation en pape campé, bataille peuple là, pape campé, trahison pas trahison, bataille peuple là, pape campé dans route. Et c'est ça que fait, semaine ça, son semaine mobilisation, et 17 octobre, nous invitons toute population à venir participer à la manifestation qu'a faite dans Port-au-Prince et dans le reste du pays d'Haïti parce que bataille peuple n'a pas gain droit à camper. Et nous demandons à tout le monde qui est en opposition, tout le monde qui dit qu'on est en opposition, 17 octobre, nous convoquons toute la mobilisation, la manifestation dans tout le pays. Parce que dans la bataille peuple n'a pas gain droit à gain coup. Pas rien doit gagner cacher l'ombrique le wap bien. Et nous même qui là personnellement nous c'est premier monde cap sous béton 17 octobre 2020 papa des salines ou te gon projet pour pays a ou te voulons l'état qui capable défendre souveraineté pays a ou te voulons l'état qui te capable protéger haïtien haïtienne tout partout dans pays a ou te vle un pays côté gain travail un pays côté monde vivre tant que monde nous promet tout projet ou la pas tomber. Même si on assassiné 17 octobre 1806, mais projet là toujours vivant et nous même qui là n'a porté projet là jusqu'à la victoire finale. Merci en plus. Merci. La presse et qui a fait un travail extraordinaire. Je dis à tout ça, là, pour faire appel avec tout secteur de la vie nationale là, pour sortir 17 octobre. Nous avons raison qui fait nous là. Effectivement, camarade André Michel se parlait de assassinat Maître Doval, il parlait de assassinat Grégory, il parlait de assassinat au chauffeur moto qui était en solidarité avec Grégory, qui a assassiné, qui a porté solidarité en Bayo. Et c'est dans ce sens qu'on a dit, chauffeur moto, 17 octobre, nous devons dans la rue. C'est dans ce sens qu'on a dit, parti politique, 17 octobre, nous devons dans la rue. C'est dans ce sens qu'on a dit, Beto Kanunje, 17 octobre, nous devons dans la rue. Professeur l'école, nous devons dans la rue. Ouvriers, ouvriers, nous devons dans la rue. Tout le monde à la ronde badin, nous convoquer 17 octobre dans la rue. Parce que 17 octobre, c'est date pour nous venger. Jean-Jacques Dessalines. C'est date pour nous venger Maître Doval. C'est date pour nous venger Grégory. C'est date pour nous venger chauffeur moto qui tombé. C'est date pour nous venger tout le monde qui tombé dans le quartier populaire et tout le monde qui tombé pendant la manifestation. Je dis à une autre fois encore, nous dit que plan Madame Laline gagne pour PIA, son plan qui est grave. Parce que Madame Laline décide induit en erreur une série d'ambassadeurs auprès des Nations Unies. Et c'est dans ce sens qu'on a dit que nous demandons pour ambassadeurs des Nations Unies qui commencent à comprendre la crise haïtienne pour continuer à exprimer. Pendant qu'on a contesté et rejeté des revers de main, faux rapport Madame Laline Baye, secrétaire générale des Nations Unies, pour dire que les gangs ont aidé dans la question moins mort en d'un pays.
Pendant qu'on est côté n'a parlé là, nous n'a tombé belle. Pendant qu'on est côté n'a parlé là, nous n'a tombé dans quartier populaire. Ça veut dire madame Lali a fait menti sous pays là et nous prend engagement au moment opportun n'a attaqué madame Lali en justice parce que il a participé dans génocide qui a fait sur haïtien. N'a dit les quatre batailles qu'il a fait là. C'est une bataille qui mandé pour tout le monde engagé. Même Jean professeur Mérilien se dit là. Pas de monde qui a fait silence. Pas de monde qui a neutre. Pas de monde qui a complice de pouvoir PHTK. Et c'est ça que fait jodi a pays en danger faut que nous sortir de ce pays. Jodi a peuple là, non chômage, non grand goût, non misère, non insécurité, faut que peuple là sorti du 7 octobre. Je dis à peuple là, absolu kidnapping, répression, tout le monde dans marron, faut que peuple là sorti. Je dis à c'est corruption qui gagne tout partout, faut que peuple là sorti. Et m'a dit nous bagaille, pour me finir. Bataille qu'a fait là, c'est pas bataille pour nous prendre pouvoir dans mes jovenels pour mettre fan. C'est bataille pour respect constitution. Parce que tout le monde connaît, blanc international, il a dit, Jovenel élu sous bannière, constitution, ça bien sûr, légitime constitution que nous gagnons. En même temps, la constitution a dit, mandat Jovenel a fini 7 février 2021. Nous-mêmes, au niveau secteur démocratique, nous avons toujours pris engagement nous, avec le peuple haïtien avant 7 février pour nous déloger Jovenel. Et c'est dans ce sens que nous avons demandé au peuple haïtien, tout le monde en général, avant 7 février 2021, on engage nous pour nous déloger Jovenel. Parce que 7 février 2021, Jovenel doit respecter la Constitution, la police doit respecter la Constitution, le parti politique, tout citoyen, tout le monde en général doit respecter la Constitution. Ça veut dire que c'est depuis qu'on a pour engager nous pour nous retirer le pays à nos alliés. Une période de mobilisation et mobilisation déclenchée sur tout le pays. Et tout le monde qui est en opposition, il a convoqué 17 octobre pour le souterrain. Pour le soubéton. Moi-même, personnellement, 17 octobre, ma soubéton. Et tout l'autre dirigeant dans le secteur démocratique, dans l'opposition, a soubéton. C'était seul moi-même, 17 octobre, ma plan. Et là, je demande à André, est-ce que la plan dit oui la plan? Je demande à Majori, est-ce que la plan dit oui? Je dis Chile, est-ce que la plan dit oui? Je demande à Manès, est-ce que la plan dit oui? Je demande à Kato, est-ce que la plan dit oui? Je demande à tout le monde, est-ce que la plan, messieurs, dames, le dit oui? Je demande à Jean-Charles Moïse. Je demande à Jean-Charles Moïse, dit la plan. Ça veut dire pas de place pour division dans le moment ça. Et bon, seul bagaille pour noter pour moi. Je dis à tout le monde dans la société à fond seul pour obtenir le débat de jour. Et c'est ça qu'il faut créer électoral là, il n'y a pas qu'à passer. Pas qu'à gagner l'élection à Jovenel. Jovenel, mandat fini, il n'y a pas de jambes qu'à faire l'élection. Et je dis à nous-mêmes, pour nous mettre énergie, je ne viens pas là, nos monuments pour pas des salines, pour nous déloger Jovenel, oui pas. Ça veut dire, pas qu'il y a l'autre option, pas qu'il y a négociation pour Jovenel. Et au pouvoir, pas qu'il y a négociation pour habiter à Jovenel. Seul, ça qui gagne, c'est vivre avec nous.